Bonjour mes petits soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va. On revient d'une journée Paris-Daisa hier. Du coup, voilà. Monsieur s'est fait plaisir. Il s'est acheté un volcan. Voilà. Du coup, ça se retrouve comme ça. C'est Volcano. Du coup, et dedans, je vous montre à l'extérieur. On a des petites pierres à découvrir. Du coup, on va faire ça. Aujourd'hui, ce sera un dimanche bricolage. Voilà, on va essayer de pas arracher trop le carton parce qu'ils expliquent à l'arrière comment on fait. Du coup, comme ça, je laisse le carton pas loin. Hop. Du coup, on a le volcan. Des petits outils pour ouvrir le volcan. Et on a un petit marteau que je vais assommer, monsieur, pour l'endormir. Voilà. Donc on va essayer de retirer le plastique autour. Hop. Il est bien dit qu'il faut mettre sur une surface lisse où on peut savoir nettoyer Facile. ou mettre du journal. Voilà. Du coup, monsieur, t'es à côté de moi. Coucou. Voilà. Je ne sais pas comment ça va. Il faut qu'on regarde. Théoriquement, si tu creuses. Ne sais pas. Il faut que tu lises. J'ai vu qu'il fallait faire. Me laisses creuser avec celle-là? Parce que il va bien, tu sais, moi qui me le prends. J'espère que vous me voyez bien quand même. C'est vrai qu'on aurait dû prendre du journal. Sais pas à quoi il sert le marteau. Tenez, ça casse pas. Et là-bas, c'est pour les enfants, je vous le dis. Hein. C'est de vous mettre un peu mieux. Ah. Ne pas donner à des enfants de moins de 3 ans. J'ai un truc. Là, il faut creuser. Essayez de pas m'en mettre partout. Je sais pas si vous voyez, on voit déjà un bout de la pierre. Et je sais pas combien de pierres il y a dedans. C'est un bol. Bon. Placez le bloc sur une surface facile à nettoyer. Attends. Alors, s'il faudrait faire ça. Sur le grande feuille. Enlevez doucement le plastique à l'aide des outils. À laissez le. Ah ouais, il y en avait une juste là en fait. Il faut de l'eau. Là. Ouais, pour les nettoyer après. Là, il y en a une juste là. En fait, il y en a plein de petites, je crois. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais elle va peut-être longue, mais on peut pas faire avec mon silo. Non, mais sinon tu vas faire des coups dans les pierres si tu tombes dessus. Vu qu'on aura son nid ici. Moi, j'ai même pas le droit de. Ouais, tu veux t'amuser un peu? Non, vas-y, ah je bah. Tu es la On a deuxième aussi. une pierre ici. On a une autre pierre. Ben, on peut On passer. va. Elles sont belles. Alors, si un gosse doit faire ça, vu comment je dois y mettre de la force, soit il faut l'appeler Hulk pour son âge, soit il faut aiguiser du plastique, hein, parce que. C'est pas fait non plus pour que ce soit en. Oui, il fait en 2 minutes. Une grosse là. Si tu te mets loin du.
Du coup, on a eu celle-ci. Elle est très belle. On les nettoiera et on vous les mettra. Je vous montrerai après quand elles seront bien nettoyées. Ça me fait penser à certains trucs américains dans lesquels, en fait, il y a... Il y a comment vous dire ? Quelque chose, hein ? Non. Il y a... Ouais, c'est comme du plat, en fait. C'est du plat. Voilà, c'est du plat. Il faut... Comment dire ? Il y a des blocs comme ça d'or ou quoi, et dedans, il y a des fois des mini-pépites. Et véridique, apparemment, il y aurait des pépites dans ce genre de choses. Enfin, pas dans le truc que je suis en train de faire, mais il n'y a rien là-dedans. Non. J'ai l'impression que tout est au-dessus, en fait. On coupe le port de la montagne. Ah non. Vous voyez les crasses que ça fait? Le marteau il sert à rien, ça casse même pas le caillou. C'est juste pour te taper dessus. C'est vraiment un week-end bricolage. Essaye de rester, à chaque fois je dois bouger la caméra. Tu nettoieras tes cochonneries. Hein. Et c'est ta table. C'est ton truc. Parce que si je... Ah ah. Le cul est friable. C'est quoi là? Ah non, c'est du rouge. Hein. Tu aurais pu marquer ton nom dessus. Tu vois la sortie que papa a fait? C'est dimanche, travail. Je fais un trou dans le bordel. Je suis désolée si vous avez des coups de temps en temps, mais avec le truc. On va essayer un truc. Ouais. J'essaye de voir plus rapidement. C'est une petite. Non. Il triche hein, là. Prends pas la patience. Je m'en bats s'il n'y a pas que. Il y a que. Tu 3 ou 4 S'il y en a 4, il t'en manque 2. Il t'en manque 1. Ils disent pas combien il y en a. Après, ça va finir dans l'évier avec de l'eau, les gros morceaux. Non. C'est vrai que tu me dirais ça. Oh la vache. Putain, si ça c'est une pierre, c'est minuscule. Oh non, c'est pas une pierre ou... Je sais pas. Il se rebarre. Hein. Regardez ces paluches là, tout dégueulasse. Ça change pas de la semaine. Là, il casse la pierre en deux. Les crasses qu'il fait. Regardez ma table. Regardez cette table. Enfin, si j'avais que 3, c'est nul quand même. Bah là, en plus, elles étaient toutes au même endroit.
Bon, ben, après un petit coup de TNT dans le volcan, avec mes doigts, j'ai pas l'impression qu'il y a encore quelque chose. Hein. Ça a l'air de casser facilement quand même. Faut y mettre un peu de force quand même. En tout cas, j'aime bien le bruit que ça fait. Bon, c'est un peu nul quand même. Peut-être celui-là, mais ça m'étonnerait fort. Il y a un truc différent ici, un petit blanc différent, mais j'aurais cassé en deux en faisant ça à la pierre. Mon avis, c'est plus un petit coup de plâtre différent. Ouais. Maintenant, si tu veux, tu peux t'amuser. Non, je m'amuse pas, vas-y, amuse-toi. Bon, ça va, y a rien. Ho. Et ho. Fais ceux qui sont plus gros là, on sait jamais. Là, ça m'étonnerait qu'il y ait une pierre dedans. Quand je vois la petite verte, je me dis bien planquée en plein milieu. Bah quand même, l'épaisseur, elle est quand même. Mais la verte, on n'en avait jamais eu des comme ça, je crois. Alors, les semi-précieuses qu'on achète directement d'habitude en boutique, ça me dit rien. Tu peux, moi, je sais pas où tu les as mis alors. T'as l'air de galérer, hein. Prends l'autre. C'est plus gros donc. Ça change rien, celui-là il a des trous, des dents. À manger des croquettes, un peu du plein de calcium. Non, je pense pas qu'il y en ait une autre. Non, j'ai l'impression. Mais voilà, on en a trois. On va les la... Je vais les laver, je vous les montre. Je reviens tout de suite, je vais laver ça. Me revoilà 5 minutes plus tard avec les machins propres. Du coup, celle-ci, elle est verte, un petit peu turquoise, verte, elle est trop belle. Je les ai lavées à l'eau chaude avec un petit peu de savon et en essuyant juste avec un essuie-tout. Voilà, regardez ici. C'est parce que là, il fait le focus sur le truc, il y a des petites imperfections, mais voilà quoi, elle est trop belle. Puis je voulais vous voir, elle est transparente. Celle-ci, elle est trop belle. Elle est blanche avec des petits reflets, je ne sais pas de quelle couleur, brun, mauve dedans. Elle est vraiment belle. Une forme assez à part. Elle est trop belle. Et la petite dernière, elle est aussi blanche. Elles sont transparentes toutes les deux, je pense. Du coup, je vous ai pas montré. Un peu moins transparente sur celle-ci. Voilà. Et celle-ci, elle est vraiment plus blanche que l'autre. L'autre, elle est plus beige que celle-ci, elle est blanche. Celle-ci, elle est plus beige. Voilà. Et aussi, vous avez des imperfections dedans. Voilà. Comme ça, vous voyez, on voit plus. C'est quand je fais ça, on voit plus les. Le problème, c'est qu'il prend à chaque fois le. Voilà. Pour les petites pierres. Bon, je Monsieur a crois qu'au niveau de continué. la pierre. Voilà ce que c'est devenu notre montagne. Du coup, voilà pour les trois petites pierres et la montagne de pierres. Voilà.
Voilà. Bon, on n'a pas payé cher, 5 euros, mais voilà, ça, c'est pas... C'est... Enfin, moins avec l'abonnement. Ouais. On a 10% nous avec l'abonnement, mais voilà quoi. Mais ça vaut pas le prix quand même. C'est sûr que comparé au petit pot qu'on peut remplir là-bas et qui doit te coûter 6 euros, mais que c'est un pot remplir à bord. Ça vaut, voilà. Du coup, voilà, on est un petit peu déçus quand même, mais... Moi, ça va, c'est pour un gosse, il s'amuserait quand même plus longtemps que moi qui te défend sur 2000 parce que j'ai de la force, quoi. Ouais, aussi. Un gosse, tu lui donnes ça pour la journée, il va le creuser toute la journée. Bon, t'auras à lui donner une surface bien nettoyable, surtout, parce que... Quand tu vois la table, autant moi, vous c'est voyez un pas, petit, mais... Autant moi, c'est un petit carnage, mais moi, j'ai regardez, pété, c'est pas... J'ai pété après la pierre en plusieurs fois, donc là, après, je peux... Mon trépied et tout, ça, vous n'allez pas le voir, mais... Je peux le couper en plein de petits morceaux. Mais... Voilà. C'est bon, hein. Tu vas laver ta table et... Enfin, j'espère que pour cette petite... Vidéo spéciale. Vidéo spéciale... montagne. Ah, il y en avait encore une. Non, je déconne. N'importe quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et sur ça, je vais laisser cet enfant jouer dans sa montagne. Et moi, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Ciao.